Là aujourd'hui pour le tour de chalet, Quentin. Absolument, avec un super temps. Ouais, et magnifique temps. Ça mouillasse. On est parti pour 14 km de plaisir, de bonheur, de beauté, de joie, oui. De transpiration. Oui. Surtout qu'il y en a qui vont pas faire grand chose sous le nom d'Antoine Boudot. Voilà. Et il y en a qui vont courir sous le nom de Quentin Ménard. Et derrière la caméra, une petite Amélie qui nous accompagne pour l'occasion. Mm. Donc merci à elle qui va nous aider. On est parti. Ah bah, hein, j'ai envie de vous dire. Alors peut-être qu'avant de partir, t'as peut-être un petit historique de la course à nous faire. Oui. Alors Tour de Cholet qui existe donc depuis 1980, soit la date d'ouverture du périphérique ici à Cholet. Il a été construit bien sûr quelques années auparavant, dans les années 70, mais c'est en 80 qu'il a été inauguré. Donc on est forcément, qui dit 80, dit 39e édition, 14 km, deux parcours au choix, soit on fait tout le périphérique, donc 14 km, c'est un beau périphérique, ou 7 km, c'est la moitié. Mais aujourd'hui, vu qu'on a fait l'entente des Mauges et qu'on est capable d'aller faire 14 km, on va faire 14 km. Voilà, et ben on est parti les amis, on est chaud, allez on s'entraîne, on s'échauffe, chaud, hop, 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 allez, on est parti. Écoute, l'essentiel c'est de faire des pauses, c'est voilà, de bien gérer sa fatigue, son endurance. Donc on va continuer, mais cette fois-ci en trottinette. Merci Valentin. Et oui, en trottinette parce que il est déjà fatigué le petit. Non, mais c'est qu'il non et puis on va faire un peu de marche à pied aussi, hein, parce que c'est important la marche à pied. Il n'y a pas que la course et il comprend pas comment ça marche. Ah, c'est bon. Là, vous voyez qu'il y a un peu de monde là au bout là-bas. Ça bouge bien. On voit que les Choletais sont au rendez-vous comme chaque année, un événement populaire. Hein, Quentin, est-ce que tu peux nous dire à peu près combien il y a de monde chaque année? À peu près 10 000 personnes. Voilà, donc c'est, on voit qu'il y a vraiment un engouement autour de cet événement. Bah, elle est célèbre et puis c'est iconique. Ça a été fait, comme je disais tout à l'heure, depuis l'ouverture du périphérique. Donc ça veut dire que les gens ont l'habitude que tous les ans, en décembre, il y ait cet événement. Pour l'anecdote, ce périphérique, donc c'est Maurice Ligot qui l'a décidé dans les années 70. De base, il était prévu, et c'est d'ailleurs le cas quand on voit la mairie, il était prévu, selon Maurice Ligot, que la ville fasse 120 000 habitants à l'horizon 2000. Ce qui n'a pas été le cas, puisqu'on sait, il y a eu le choc pétrolier, les années 80. Alors, il y a plusieurs façons de faire le tour de Cholet, hein, les amis, comme vous pouvez le voir. Et ça, on appelle ça donc du ski, mais du ski sur des roues là. C'est du ski, mais roller ski, donc version été. Quoi. Quentin, petite anecdote sur l'aérodrome. Alors c'est là où Roland Garros a passé tous ses diplômes. Voilà, nation. le fameux. Hein. Dans les années 20, je crois, si je suis bien précis. C'est possible. Donc, c'est un aérodrome qui est quand même assez centenaire. Il est assez ancien. Il a toujours été placé à l'extérieur de la ville. Maintenant, c'est vrai qu'il s'en est un peu rapproché, avec notamment la création de ce périphérique. Ce bitume qui sent les voitures et la pollution. Alors, donc on est ici au boulevard de Maine, parce qu'il y a une petite particularité derrière là-bas au fond, vous voyez, l'ancien hangar des carnavaliers. Alors Quentin, tu vas nous en dire plus sur tout cela. Oui, alors hangar des carnavaliers qui a été ouvert donc en 1971, qui a réuni donc 7 équipes à l'époque seulement, 7-8 équipes, donc qui étaient toutes réparties dans des hangars comme c'est aujourd'hui le cas, notamment à La Rochelle. En 2000, il y a eu l'extension pour faire rejoindre 4 équipes. Donc on a eu le droit à presque 12 équipes dans ce hangar.
dans les années 2010, la ville a décidé donc de déplacer son hangar qui était devenu vétuste et très 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 exigu. Donc il a été déplacé juste à côté, l'ancien espace Koiba qui est juste derrière, avec beaucoup plus de confort, plus moderne, plus accessible, avec plus de possibilités et surtout une possibilité d'agrandissement si des futures équipes à l'occasion des 100 ans du carnaval, il faut préciser. Ça a été ouvert effectivement à l'occasion même à la 101e édition. C'est-à-dire que ça a été inauguré après la 100e édition, l'édition de nuit, mais c'est à la 101e, pour la 101e qu'ils ont construit les premiers chars. C'était un peu le cadeau des carnavaliers. Absolument. Voilà, allez, on continue les amis.